Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième RioSky en version publique de l'année 2023 et surtout le tout premier RioSky dans le Nord, puisque nous avons la chance d'être chez les Ch'tis, comme on dit, et plus précisément donc à l'île Lesquin, avec notre avion habituel, enfin, le Foxtrot Golf Charlie Bravo Yankee. Je vole aujourd'hui à nouveau avec Alain, que vous connaissez pour ceux qui nous suivent régulièrement. Salut Alain. Bonsoir. Voilà, et donc cette première session dans le Nord va nous permettre de découvrir trois sites, plus exactement deux pour être précis, à savoir l'île Lesquin. Nous avons la chance d'avoir deux contrôleurs, Samy au sol et Léa donc, à la tour et à l'approche. Tous les deux évidemment sont en poste sur ce site dans la vraie vie. Et nous irons à Merville où nous retrouverons Rémi qui lui aussi est contrôleur de la tour à Merville. Voilà, et puis puisque c'est une petite découverte, hein, j'avoue que personnellement je ne suis pas très familier de la zone, ça va être très intéressant donc, de la découvrir en simulation. Alain, je te propose qu'on fasse une petite triangulaire à l'île Danse pour aller voir les fameux Tyrils, bien connus dans le Nord, avec sa caractéristique de drive. Et puis ben, on rentrera ensuite sur Merville pour revenir enfin sur l'île. On va découper le temps imparti de cette session. Ça te convient, puis on peut voler. Ça me semble un bon programme. Ça marche. Eh bien, écoute, on va aller écouter la TIS rapidement. Et puis, ben, je pense qu'on est prêt à partir ensuite. Allez, on bascule sur la TIS. Ok. Je suis un 6 Lima. Wind 2.0 degrees, 8 knots, visibility 10 km, cave okay, temperature plus 1.0, dew point plus 5, QNH 1.0.1.3, informé, advance contact data received information alpha. Et fili l'information, information alpha enregistrée à 14h UTC, piste en service 26, approche ILS Zulu 26, départ 6 Lima. Vent 200 degrés 8 nœuds, visibilité 10 km, cave okay. Température plus 10, point de rosée plus 5, QNH 1013, unité 0, unité 3. Informez l'île dès le premier contact que vous avez reçu l'information alpha. CSB information, information alpha, recorded at 1400 UTC. Runway news 26, approach ILS Zulu 26, departure 6 Lima. Wind 200 degrees 8 knots, visibility. La 26 en service. Je règle encore 2-3 fréquences et j'arrive. Ouais. Ça marche. Mais je vais passer mon message. Tu me dis quand t'es prêt. Hein. Attends, bon, je vais passer le message. Oh ouais. Foxtrot November Oscar, I'm at holding point Tango 3, but I don't see any other aircraft. Maybe it's a problem of my simulator. Yeah, the aircraft is supposed to be just in front of you at the holding point. I can see both of you on my radar, but maybe there's some trouble with your connection or configuration of the computer. I don't know. But whatever, you can play it without seeing the other aircraft. That's not a big problem. Okay. That's why I stopped a little behind, because I know there's supposed to be an aircraft there. Yes, I affirm. And perform your engine run-up. And when ready, Fox November Oscar, contact, just tell me. Fox November Oscar, I understand. I will contact when I'm ready. Salut, bonjour, le Foxtrot Golf Charlie Bravo Yankee. Foxtrot Golf Charlie Bravo Yankee, Lille Sol, bonjour. Le Foxtrot Golf Charlie Bravo Yankee, ah, c'est un 112 au stand 5 Whisky, avec information Alpha. Nous demandons la station de roulage pour un vol à destination de Merville via Nancy. Foxtrot Bravo Yankee, transpondeur 6 unités 00, roulez point d'attente Tango 3, piste 26. Rappelez prêt au départ sur la fréquence sol. Transpondeur 6 unités 00, on roule Tango 3 pour le seuil de la piste 26 et on rappellera prêt sur la fréquence sol. C'est bon pour toi là, Tango 3, Fox Bravo Yankee de mémoire, 1850 mètres disponible depuis Tango 3. C'est bien pris. Ok, Tango 3.
Mille tours de Fox Mike Delta au point d'attente 26, prêt pour le départ. Fox Mike Delta, contactez l'île Tour 118, décimal 550. Bon, on est prêt, oui. Et pour votre information sur le channel TeamSpeak, c'est l'île approche, LFQQ APP. Ah, d'accord, merci. L'île approche. Il n'y a personne, tout va bien. Lil Tower, this is Foxtrot November Oscar. Just a question from runway 26. Is it a left traffic pattern or right? Foxtrot November Oscar, at your convenience, both downwinds are usable. Foxtrot November Oscar, thank you for the permission. And Foxtrot November Oscar, ready for departure. Foxtrot November Oscar, short of holding point Tango 3, contact Lille Tower on 118.550. Foxtrot November Oscar, contact Lille Tower at 11. Frequency 118.550, and for your information on the TeamSpeak channel, it would be Lille Approach, LFQQ APP. Foxtrot November Oscar 118.550, and I understood on the TeamSpeak. Yeah. Thank you. Feedback is correct here. Il est de quelle nationalité ton élève? Bulgarie. Je suis allé le conseiller de faire Roumanie, mais Dimitri, il est bulgare. Ok. J'avais pas compris quand il s'était présenté parce que je m'attendais pas à ce projet. Alors là, on a un R400. Ouais, bon, je le passe. Hein. Ben non, on peut s'aligner là, je pense, un temps de 3 XL. En fait, on s'aligne là. Ouais, temps de 3. On avance un peu pour voir les panneaux, mais je pense que c'est là. Ouais, c'est ça, ouais, temps de 3, c'est sur le point du grand parc. Juste derrière. Lil Tower, this is Foxtrot November, November Oscar, on the TeamSpeak, sorry, where should I find the channel? The channel you are looking for on TeamSpeak is LFQQ underscore APP. I found it, LFQQ, the underscore APP, thank you. You're welcome.
fonctionne un petit peu, j'ai l'impression. Bah, faudrait qu'il avance surtout. Hein. C'est bizarre que le point d'attente. Enfin, il n'attend pas au point d'attente, enfin, c'est pas possible. Non, il est un peu derrière aussi. Point d'attente, il est en. Oui, il semble être derrière. Ouais, bah si lui il bouge pas, on peut demander Tango 2. Hein. Le Foxtrot Charlie est orienté. Foxtrot Charlie est orienté, ouais. Pour le sol, pardon. Fox Bravo Yankee, j'écoute. Dis-moi, on a un avion là, en temps de trois qui a temps pour faire ses essais. On se proposait de poursuivre sur Tango 2. Je ne sais pas si vous avez en fréquence. Il est en contact avec la tour. Je pense que d'ici une dizaine, quinzaine de secondes, il sera parti. Comme vous le souhaitez, vous pouvez maintenir Tango 3 à temps de départ de la machine ou rouler pour Tango 2 à votre convenance. Foxtrot Bravo Yankee, maintenez avant point d'attente Tango 3, contactez la tour 118 décimal 550. Avant Tango 3, on maintient le point d'attente et on contacte la tour 118 décimal 550. Foxtrot Bravo Yankee. Bon, Foxtrot Bravo Yankee. Ok Alain, bon bah écoute, si on est prêt, on va passer sur la tour. 580. Fox Oscar Echo. Fox Oscar Echo, en trafic dans vos 11h03 nautiques, quittez vers l'ouest, en HR 200, même altitude. Pas visuel, c'est trafic, Oscar Echo. C'est bon pour toi, Alain. Oui, affirme. Lille Tour, bonjour, le Foxtrot Golf Charlie Bravo Yankee. Fox Golf Charlie Bravo Yankee, Lille, bonjour. Depuis Tango 3, alignez-vous piste 26 et attendez en trafic en montée initiale pour des tours de piste. Depuis Tango 3, on s'aligne piste 26 et on maintient Foxtrot Golf Charlie Bravo Yankee. Ça roule. Ah, il y a 1835 mètres. Ça va nous suffire. Et la piste monte légèrement, c'est intéressant. Charlie Bravo Yankee, on est aligné près piste 26, le temps de prendre. Fox Bravo Yankee, pour info, le trafic précédemment signalé est maintenant dans vos 11h en circuit main gauche pour des tours de piste. En fonction du trafic, piste 26, autorisé décollage, le vent 200 degrés 8 nœuds et rappelé en sortie de CTR. Piste 26, on est autorisé au décollage, on a bien du trafic, on surveillera en montée initiale et on rappellera en sortie de CTR. Fox Charlie Bravo Yankee. Ok, on décolle.
Oscar Echo, rue des installations à une ou deux minutes du début de la vente arrière pour la 26. Fox, Oscar Echo, entrée en vente arrière main gauche piste 26, ce serait numéro 2 dans le circuit, rappelé en début de vente arrière gauche 26. Je rappelle, en début de vente arrière gauche 26, Oscar Echo. Là, c'est un cap quasiment dans l'axe de la piste pour 240. Non, plutôt 210, on va suivre l'autoroute, c'est plus amusant. Fox, c'est quel charme de l'Orient? Voyantier pour information, un trafic actuellement dans vos 2h03 nautiques qui fait route vers l'avant arrière pour s'intégrer dans le circuit à Lille. Confirmez, vous faites une route vers l'ouest? Oui, en fait, on va prendre un cap 210, on va suivre l'autoroute plus ou moins jusqu'à Lens. Monsieur Bravoyantier, le trafic est maintenant dans vos nautiques pour 2 nautiques et une route droite-gauche. Visuel. Indiquez votre aile trafic actuelle, Bravo Yankee. Ah, on a visuel. 1500. Monsieur Oscar Echo, un trafic travers gauche en optique, en route opposée qui croise en dessous. Le trafic est croisé. Oscar Echo, visuel ce trafic. Monsieur. Foxtrot Golf November, November Oscar requesting full stop on landing. Ah là on a encore dévoilé. Golf number, Golf November Oscar, your number one report final to six. On a dévoilé, enfin chez moi j'ai dévoilé. Golf November, November Oscar will report at final. Runway 26. Oscar Echo en vente arrière pour un complet sur la 26. Fox Oscar Echo numéro 2, le précédent en fin de vente arrière. Rappelez fin de vente arrière avant de virer en base. Numéro 2, rappel fin de vente arrière avant de virer en base. Oscar Echo. Là on a l'autoroute qui part en biais là sur la gauche. Et nous, on continue tout droit et on a dans l'axe, là, on commence à voir les deux terris qui sont dans l'enfilade à pratiquement 12 heures. Foxtrot Golf November, November Oscar reporting at final. Fox Golf November, November Oscar, runway 26, clear to land, wind 200 degrees, 8 knots. Foxtrot Golf November November Oscar 200 degrees 8 knots Roger. Affirme, c'est quasiment arrivé à Lens que ça puisse s'asseoir. Tu te souviens de la pression? QNF, la mise 13. Ok. Alors, il y a des lacs là, un petit peu. Oscar Echo en fin de vente arrière pour la 26. Je vire en base et rappelle Fabien en finale 26. Je vire en base et je rappelle finale 26. Oscar Echo. On arrive en limite de complet à Lille. Ça sera un complet à Lille. Merci. Ouais, ce sera quand on passe le canal en dessous. On fait une verticale ou un touché? Ouais, verticale. Lance, oui, c'est celui qui est. Une verticale, ok. Ouais, je vais y avoir,
Fox Golf November, November Oscar, maintain Tango 3, contact Lille Grand 11.855. Fox Golf November, November Oscar will contact Ground, thank you. Fox Bravo Yankee, transpondeur 7000 et contacté directement en Amérique. On transponde 7000 et on passera directement avec le numéro 119.0.75. C'est correct, bonne journée. Alors, c'est récon final pour un complot sur la 26. Ah oui, on voit bien les terrines là. Fox Oscar Echo, piste 26, autorisé atterrissage, le vent 200 degrés, 8 nœuds, appelé vitesse contrôlée. 8 nœuds, c'est juste devant nous. J'atterris 26, Oscar Echo. Le terrain est à 2 heures. Je tourne pour y aller. Ah oui, je crois que j'aperçois. Ouais. C'est une piste en verre là. On était censé, ouais. Il y a 22 pistes croisées. Ouais, il y a 2 pistes croisées. Au niveau de... À côté, il y a... Oui, nous, il y a une petite forêt. Laissez rouler jusqu'à la prochaine intersection et dégager prochaine à droite, Tango 4. Et puis, il y a un gros centre commercial à côté, donc c'est pratique. Là, on voit un terril à gauche. Oscar Echo, je m'adresse. Oscar Echo, je dégage Tango 4. C'est correct, Oscar Echo, rappelez dégager Tango 4. Ouais, ouais, il y en a plusieurs. Il y en a devant aussi, il y en a sur Neulémines. Si tu veux, on peut passer par Neulémines pour remonter à Merville. Tu verras le terri avec la piste de ski. Bon, on peut faire ça, on a un peu. Là, devant nous, il y en a encore un terrible, mais il est plein d'arbres. Fox Oscar Echo, contactez Lille, seul 121 de tunnel 855, bonne journée, au revoir. Je contacte Lille, seul 118.55, Oscar Echo. Négatif Oscar Echo, le seul 121 de tunnel 855, au revoir. Oscar Echo. Lille Sol de Oscar Echo. Oscar Echo, vous êtes toujours avec la tour. Le Sol 121 décimal 855, le serveur LSQQ Tour. Donc là, droit devant, tu as une espèce de petite, un petit lac. Et la base de loisirs, c'est à
12h. Et à 11h à peu près, ouais, tu as piste, dans ouais. la forêt une ouais. traînée blanche. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi, c'est une piste? Donc la traînée blanche, c'est la piste de ski. Ah, c'est rigolo. Ouais, ouais. Je connaissais pas. C'est une piste synthétique mouillée, en fait. Il faut couler plus ou moins de l'eau dessus. C'est très facile de lâcher votre micro. Pour lubrifier. Au parking Charlie. Très faible, mais ça fera l'affaire. Donc Fox, c'est un bon dia, continuez, vous êtes prêts au départ? Voilà, pour ceux qui nous suivent, on survole la piste de ski. Fox, c'est un bon dia, petit tango 3, alignez-vous piste 26 pour le décollage. Le vent 200 degrés, 8 nœuds. Et on repère quand même les alignements de maison typique des corons. Ouais, c'est la ville de Neuve-des-Mines. Et en l'occurrence, bah, c'est là qu'habitait mon grand-père, tu vois. Ah, c'est pour ça que tu connais bien. Effectivement. Ah, bah, j'y ai vécu 25 ans quand même. D'accord. Alors, si tu regardes à une heure, on a encore d'autres terrils qui apparaissent. Sont les terrils de Taïcourt, etc. Enfin, il y en a plusieurs. Ouais, on les voit. Mais on va quand même changer de direction ouais, pour reprendre un cap vers Merville. Et on va switcher sur Merville. Hop, comme ça, on aura un peu bien ce trafic. C'est ça. Ouais, non, mais ça, on les appelle. Béthune, c'est à gauche, là. Je suis en train de virer vers Béthune pour partir sur... Bah, bravo, Yankee, Merville. Bonjour, j'écoute. Bravo Yankee, affiché 7110 au transpondeur, entrée vent arrière main gauche, piste 22, rappelé en vent arrière. Transpondeur 7110, rappelé en vue de l'installation. Alors ça c'est le oui, ça c'est le canal d'air à la bassée. Le canal qui va d'air à la bassée. Et la piste de Merville, elle doit être à peu près à 12 heures. Ouais, je crois que tu la devines. Fox, Mike Delta en sortie pour quitter. Fox, Mike Delta, vous pouvez quitter la fréquence 7000 au transpondeur et contacter l'île 126 décimal 480. Bonne journée. On quitte la fréquence transpondeur 7000 Fox Mike Delta. Au revoir, bonne soirée. Là, la piste est dans nos 11 heures.
Ouais. Ah oui, ok, je la vois. Je vais y aller. Bravo Yankee, numéro 1, rappelez final piste 22. On va tourner. Ah oui, on devine des espèces de rosaces, enfin, je pense à lui, j'appelle ça. La raquette. Mais... C'est clair que 2020, c'est quand même assez beau. Alors là, espèce de truc là qu'on voit blanc dans les 11 heures, c'est le complexe industriel Rocket Frères. C'est une énorme usine. Ah oui, d'accord. Je sais plus ce qu'ils font Rocket Frères, mais c'est énorme. C'est ce qu'on va surveiller là maintenant, je demande, mais c'est ça. Oui, enfin, on passe à côté, je sais pas si on a le droit, mais bon. Il faut l'éviter, donc on n'a pas la vague. Il faut passer derrière, il faut l'enrouler. En roulant. Oui, mais quand même un vol d'hélicoptère, on n'est pas au milieu de tout ça. Ok, on peut dire en base. Donc, je pense qu'on est un peu haut, hein. On descend là, 2000 pieds là, on est dessus, on va être à 1100 pieds. On sort orienté, on va virer en base. Bravo Yankee, toujours numéro 1, rappelez final 22. Numéro 1, on rappellera final 22, c'est Bravo Yankee. Mervyn Tour du Fox Charlie Hotel Tango India, bonsoir. Fox Charlie Hotel Tango India, Mervyn Tour, bonjour, j'écoute. Fox Charlie Hotel Tango India 72 en provenance de Lille à destination de l'installation avec Delta reçu. Tango India affiché 71 au transpondeur et rappelé en vue du terrain. 71 au transpondeur et je rappelle en vue du terrain. Fox Tango India. On a pris notre temps là, Lyon, on est loin. Bah ouais, mais là on est à 1000, hein, donc. Bah ouais, c'est perdu. Ça nous permet d'être... J'ai bien compris. Je sais pas ce que j'ai mis comme météo, mais elle arrête pas de me secouer. Hein. Je dis beau temps, ça fait peinard. Ah, c'est pour ça qu'on bouge autant. Mais je crois que c'est parce que j'ai mis des rafales. Ah ouais. Parce que l'avion n'arrête pas de bouger, on voit ce qui se passe. Non, la définition du décor est vraiment super. J'avoue que je suis un peu bluffé. Voyons qui en finale 22 pour un toucher. Fox Bravo Yankee piste 22 autorisé touché, vent 210 degrés, 11 nœuds, rappelé en sortie de CTR vers Lille. Piste 22, on est autorisé touché, on rappelle en sortie de CTR. Fox Bravo Yankee. Il y a du monde qui nous regarde, hein. Ça, c'est un beau kiss. Ouais, ça va être compliqué.
Fox Tango India, j'ai les installations en vue. Bien reçu Tango India, entrée vent arrière, main gauche, piste 22, rappelé en vent arrière. Je rappelle en vent arrière, main gauche, piste 22, Fox Tango India. Mais le coup de bol, c'est quand même que j'ai le vent de face. Hein. Bah ouais, on a fait ça bien. Tiens, par défaut, ils ont mis un papy à deux loupiotes. Ah non, moi j'en ai quatre. Je n'ai pas de scène, j'en ai quatre. Bon bah ça a été ça, qui sait. On repart. Voilà, on va faire un petit passage à Merville, bien connu. Donc, alors dans le fond... Dans le fond, on a vu quelques monts sur l'horizon. Tango India, vent arrière, main gauche pour la 22. Côté des monts des cas. Tango India, numéro 1, rappelez final piste 22. Numéro 1, là, je rappellerai final piste 22 pour Tango India. D'accord, oui, effectivement, on a pas soirée. Quelques monticules. Ok, donc là, on repart sur l'île. Quoi. Un truc dans le vent, ouais. Tango India en finale, piste 22. Tango India, piste 22, autorisé, touché, vent 200 degrés, 8 nœuds, rappelé en sortie vers l'île. Autorisé, touché, Fox, Tango India, et je rappellerai en sortie de zone pour un retour sur l'île. Et une, c'est à droite, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. La lave, non, ça c'est le canal d'air à la base. La lave, c'est plus sur l'île. Là, on fonce droit sur le point whisky. Ah, là, c'est pas mal. Le point whisky. Mais attends, il y a quel centre ? Non, il y a un centre. On ne rentre pas à l'île, là. D'accord. 90 ? Ouais. Bravo plutôt, non ? Pas whisky. Ouais, là on passe pour bravo. Là. On va passer. Ouais, j'ai une mauvaise carte. Non, je veux dire qu'on arrive au point whisky de l'île. Ah, ok, oui, c'est clair.
Fox, bravo Yankee, vous approchez de la sortie de 7R, vous pouvez quitter ma fréquence 7000 au transpondeur et l'île tour 118 décimal 55. Bonne journée, au revoir. Bah, effectivement, vous appelez, donc en sortie de 7R à l'est, on prend 37000 et on passe à l'école de l'île 118 décimal 55. Ok, donc 7000 et puis on passe avec une amie de Lille. Ce Mike Delta à 2 minutes sud-ouest de vos installations pour un complet. Donc là, la ville de Lille, elle est dans les. Fox Mike Delta, entrée en vente arrière gauche, piste 26, ce serait numéro 2 dans le circuit, rappelez vente arrière gauche 26. Nous vous rappelons vente arrière numéro 2 donc et vous rappelons en fin de vente arrière Fox Mike Delta. Oui, on la voit bien, d'accord. Bon, je vais appeler l'île. Là on serait sur le point whisky, ouais. Fox Carreco en finale point touché en 26. Je ferme. Fox Carreco, piste 26, autorisé option. Le vent 200 degrés 8 nœuds et à l'issue rappelé en partie de CTR pour passer avec Mango. J'atterris 26 et... Galchad, bravo Yankee, dès le rebonjour. Bonjour Yankee, on est de retour sur l'installation, on passe actuellement au whisky, on est tous deux à bord, et donc c'est moi un complet à l'arrivée. Fox, bravo Yankee, reçu, transpondeur 61-00, QNH 1013, indiquez votre altitude actuelle. 61-00, transpondeur, 1013 QNH, et on est actuellement à Monsieur Bravo Yankee, rappelez en vue du terrain initialement. On rappellera en vue du terrain. Je pense que je le vois déjà, il est dans vos 11h. L'île tour du Fox Tango India, rebonjour. Fox Tango India, rebonjour. Fox Tango India, il y a une voiture là, il y a plein de minutes de la super, ce sera pour un complet à Lille. Des voitures là, non, c'est quoi? Fox Tango India reçu, transpondeur 61-00, QNH 1013, rappelé en vue du terrain. C'est peut-être Redel, je pense que ça doit être Redel SA, ou l'ancien Redel. QNH 1013, je rappellerai en terrain, Fox Tango India. Alors là, on passe une rivière. Hello Tower, hello, this is Foxtrot, Golf November, November Oscar, requesting departure for traffic pattern. Fox November Oscar, Roger, are you fully racing? Yes, I have done the run-up. Fox November Oscar, from Tango 3, line-up runway 26, cleared for takeoff, wind 200 degrees, 8 knots. Fox November Oscar, cleared for takeoff, thank you. Fox Mike Delta, vous êtes maman numéro 1 dans le circuit et en trafic au départ. Rappelez-moi en fin de vente arrière avant de virer en base. J'ai pas entendu alors. Nous vous rappelons en fin de vente arrière avant de virer en base. On va rentrer en longue vente arrière. Ouais, j'ai eu,
Oscar Echo, je me dirige vers une verticale de Lens avant de poursuivre sur Merville. C'est bien reçu Oscar Echo pour info en trafic dans vos 2h03 nautiques. Droite-gauche qui se route vers l'est, actuellement 60 pieds au stable. Info trafic reçu, pas visuel. Je vois un phare à ton doigt. Ah ouais, à 12h. Voyons qui on est en vent arrière éloigné, on a visuel sur un trafic dans le midi. Affirme renvoyant qui j'allais vous appeler, en trafic dans vos midi de nautique. Une route gauche-droite, actuellement 60 pieds bas stable, qui fait route vers Sirawski. Vous êtes numéro 2 dans le circuit, rappelé en milieu de vent arrière gauche en dessous. Numéro 2, le trafic se croise actuellement dans les 12 heures et nous vous rappellera en vent arrière. On va aller chercher les 1000 Mike Delta en fin de vent arrière. Fox Mike Delta viré en base à convenance et rappelé tunnel 26. Nous virons en base à vous rappelons en finale 26, Fox Mike Delta. Ouais, c'est ça, ce qui me semblait. Bon, on va aller les chercher tranquillement. On ira se garer à l'aéroport, ça sera moins cher. J'ai vraiment... Ah bah ça c'est sûr, hein. Bah, éventuellement on aurait pu demander peut-être à se poser... Ouais. Ah oui, c'est vrai. West, ouais. Due to traffic, just south of your position. Foxtrot November Oscar taking a left turn. Sauf que t'auras le vent en plein travers. Oh, November Oscar, maintain your current altitude, the traffic is 1000 feet above you. Foxtrot November Oscar restraining current altitude, yep. No, you will be. Je le vois pas. Tango India 1800 pieds QNH 1013 à l'est des installations que j'ai maintenant vu. Fox, c'est Tango India, entrée en vent arrière droite, piste 26, et rappelé début de vent arrière droite, 26. Je rappelle je rentre en début de vent arrière piste 26, main droite, et je rappellerai la bien vent arrière piste 26, main droite. Fox, c'est Golf November, November Oscar, make 360 by the right, and call me end of 360. Fox, c'est November, November Oscar, making 360 and after 360. Ah, il est juste sous nous, hein. Fox, c'est Mike Delta, piste 26, autorisé atterrissage, le vent 200 degrés 1 heure, appelé vitesse contrôlée. Ah oui, il a fait un 300 sous nous, là, impressionnant. Autorisé atterrissage 26, Mike Delta, vous rappelons vitesse contrôlée. Fox, bravo Yankee. C'est Bravo Yankee, poursuivez le circuit, rappelez-moi finale 26 et en trafic donc effectivement 500 pieds bas en 360. On rappelle en finale 26, on poursuit la France, Bravo Yankee. Fox November Oscar, make another 360 by the right and then continue the downwind and report end of downwind. Foxtrot November Oscar making another 360 by the right and reporting at final. Foxtrot Tango India, vous êtes numéro 2 derrière un trafic qui vire en base opposée. Rappelez-moi fin de vent arrière avant de virer en base. Je rappelle en fin de vent arrière avant de virer en base, c'est bien pris pour le trafic en base opposée. Foxtrot Tango India. En finale. On va attendre un peu. Il a faux de Sago.
Est-ce que c'est un plan que j'écoute? L'île de Oscar Eco. Oscar Eco, j'écoute. J'arrive vertical, lente, et je vais virer au nord pour remonter sur Merville. Monsieur Oscar Eco, rappelez-moi en entrée de CTR de Merville. Je rappelle en entrée de CTR de Merville, Oscar Eco. Fox et Mike Delta, dégagez première à droite, Tango 4, et contactez le sol 121 décimal 805. Fox et Bravo Yankee, continuez, je vous rappelle dans 30 secondes. Fox et Mike Delta, je vous confirme, dégagez Tango 4, et avec le sol 121 décimal 805, au revoir. Fox Mac Delta, piste dégagée en haut de parking, au revoir. Fox Bravo Yankee, piste 26, autorisé à atterrissage, le vent 200 degrés 1h, appelez vitesse contrôlée. 26, autorisé à atterrissage, on rappellera tout pour les Tango India en fin de vent arrière, piste 26, main droite. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va aller en fait. Tango India, virer en base et rappeler Final 26, vous êtes numéro 1. Charlie. Bon, l'aéroclub, ça ne fera pas l'aider. Et je rappelle Final piste 26, Fox Tango India. Fox Golf November. Fox Bravo Yankee, dégagez première à droite, Tango 4 et avec le sol 121 de Final 850. À droite avec le sol 121 5 5 5 Golf November November Oscar, make another 360 by the right, your number 2 behind the traffic in opposite base and report end of 360. Fox November November Oscar, making another 360 and reporting after. Pour le pauvre Dimitri tourne en rond là. Dès qu'on aura dégagé, je vais faire l'intégrale sur le sol. Je vais pas sur le sol. On s'arrête là. Hop. L'île sol, bonjour, le Fox 32, Charlie Brian qui la 26 dégagée en Tango 3, on souhaiterait rouler à l'aéroclub. Le parking est gros. Foxtrot, bravo Yankee, rebonjour, roulez point d'attente Papa 5, maintenez avant point d'attente Papa 5. On roule Papa 5 et on maintiendra avant Papa 5. Bon, bah, c'est à la gauche. Fox Mike Delta, quitte la fréquence. En haut, la gauche, Fox Mike Delta, quitte la fréquence en part. Merci. Bonne soirée. Fox Rod, bravo Yankee, maintenez avant point d'attente Papa 5 et contactez la tour 118 décimal 550. On maintiendra avant Papa 5 et on repassera sous la tour 118 décimal 550. Fox Rod Yankee. C'est original ça. Faut passer que la tour. Bon, voyons qui, vous confirmez qu'on repasse avec cette tour en roulage. Affirme, pour retourner sur Echo, vous allez devoir remonter une piste. Donc maintenez avant point d'attente Papa 5, vous repassez sur la fréquence tour 118. Décimal 550 Fox, bravo Yankee. C'est bien noté. On va remonter. On passera avec le collègue à la tour, Yankee. On a intérêt à s'arrêter. Très bien, on est en Papa 5. Je repasse avec la tour. Fox or Golf November November Oscar, clear to land and descent, thank you. Les tours rebonjour, c'est à nouveau le Fox Royal Key, on est en Papa 5, on souhaiterait remonter la 01 pour le parking.
Fox, bravo Yankee, depuis Papa 5, virage droite, pénétrer, remonter, piste 19 jusqu'en écho et rappeler piste dégagée en écho. On remonte la piste 19 et on rappellera dégagée en écho. Oui, on remonte la 19 et on roule sur la 0. Devant nous, c'est impraticable, c'est sûr. Foxy Golf November, November Oscar, maintain Tango 4 and contact Hill Ground 121.855, good day. C'est bien, là, on parcourt la scène. Foxy Golf November, November Oscar, contacting Lute Ground, thank you, have a good day. Comment? On fait une visite guidée de la scène France VFR, c'est sympa. Bah ouais, enfin de l'aéroport de Lille, quoi, surtout. Et pourquoi on va se garer à l'aéroport? Tout simplement parce que le handling à Lille, parking aviation générale, est hors de prix. Dans la mesure où c'est possible, il faut essayer de négocier un stationnement à l'aéroport qui n'est d'ailleurs pas toujours accordé. La mode de copilotage fonctionne très très bien, hein. J'ai quasiment pas de latence, pas du tout de latence. Je pense que les seules vibrations c'était effectivement tes rafales. Ouais, pour cette fois j'en mettrai pas. Alors attends, on va se garer là, il y a un avion, il y a quelques avions statiques. Dans le parking, il y a un peu cool. Je sais pas où est-ce qu'on se gare, il y a une pompe. Ouais, c'est tout ça, Echo. Ouais, ouais, je vois, ouais. On se trouve une place pour le garage. Ouais, on est piste dégagée. Bravo, Yankee, quittez en écho. Bonne journée, à bientôt. Yankee, on vient de libérer la piste 01. On est sur Echo. Bravo, Yankee, stationnement à votre convenance. Vous pouvez quitter ma fréquence, à bientôt. On sait votre convenance et on quitte la place. Merci. Regarde, j'ai mis un mec qui danse le reggae là devant la soute à essence. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder, mais c'est lui. C'est pas mal du tout ça. Voilà, effectivement, pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas, Alain participe au développement de toutes ces scènes. Voilà, c'est ça qui nous permet. Il a mis un mec qui danse le reggae. Et le tracteur aussi, c'est quoi? Bah oui. Du monde ici, dis donc. Bon, ils aiment les DA40. Ouais, ouais, ça fait de l'animation. Oh, il y a un char de son, attends. Non, c'est pas un char de son, peut-être pas. Ouais, gare où tu veux. Hop. Ah oui, il y a un char de son. Oui, c'est le royaume de Tango Zulu Echo. Enfin, on les salue. Voilà, on est rendu. Parfait, super. Eh bien, écoute, on va clôturer cette session en vidéo et on va passer en briefing. Merci à tous qui nous avez suivis jusqu'à maintenant. J'espère que vous aurez apprécié cette petite balade. Comme moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est une région que je découvre et on avait un guide sur mesure, puisque je ne savais pas, mais Alain était originaire de cette zone. Donc, voilà, on a pu découvrir les terrils et la piste de ski. Vous en rendez-vous pour un prochain Real Sky, sans doute maintenant au mois d'avril. La piste n'est pas encore connue, mais il suffit de veiller la fréquence sur Facebook ou sur notre internet pour connaître la date et la zone. Voilà. Ceux qui nous suivront en replay prochainement, on vous salue et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer en tant que pilote, voire en tant que contrôleur, à nos prochaines sessions. Merci à tous, bye bye.